Good morning, everyone! Good morning, Miss Melanie! Alors, aujourd'hui, c'est un grand jour, mesdames et messieurs. C'est la première fois que je me lève aussi tôt. Je me sens morning sunshine. Il est actuellement... Attends, je vous montre. 7 heures. On voit rien pantoute. 7h32 du matin. 7h32 du matin, pour moi, c'est une heure illégale. Oui, c'est une heure que j'aime me prélasser dans mon lit. Et là, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon lit. Et même que je descends des escaliers, je suis une sportive. On s'en va à la F1 aujourd'hui avec Fred. Coucou Fredou! Ça y est, à matin, la caméra. Ça y est, t'étais-tu prête? Hey, il se passe un gros moment dans ma vie en ce moment. Je sais que pour vous, c'est peut-être pas important, mais ça fait 4 jours que j'ai pas bu de café. Moi, ce qui se passe en ce moment, c'est que je suis levée à 7h30 du matin et je capte. Est-ce que t'es fière de moi? J'avais le goût de faire une story pour ceux qui connaissent pas Cassandra. Pour ceux qui connaissent Cassandra, il est 7h30 puis je m'en vais la chercher. Où est-ce qu'on va, Fred, aujourd'hui? Dis-moi donc. T'es trop chaud. On s'en va à la course, la Formule 1. À donc, la moi, course? C'est vraiment expérience, j'ai jamais été. Moi non plus. Oh, ça a l'air qu'il faut des bouchons, j'en ai pas, mais peut-être qu'il y en a. Faut des bouchons. Moi, je voulais dire aussi, aujourd'hui, je m'attends à Luxe et Glam. Fait que là, je pense que ça commence bien. Hey, tu viens-tu me chercher? Ben là, on a le choix entre la belle... C'est quoi déjà, t'as le choix? Infinity. Une belle Infinity. Ou une belle Kia Rio couleur marron. Est-ce qu'on parle de mes cernes un petit instant? Et toi, t'as travaillé toute la soirée, hein? Oui, est-ce que tu remarques mes cernes? Hey, aujourd'hui, on se fait maquiller avant d'y aller. On est comme des petites princesses de luxe. Regardez, il y a d'autres princesses de luxe qui se font maquiller. On voit jamais ça, des maquilleurs comme ça. Regardez ça. Aussi joli. Ah! Crème. Ouais! C'est chaud ici. C'est l'heure de juger nos maquillages à l'extérieur. Ben, moi j'aime ça. Ok, attends, je vais trouver quelque chose. Un verre. Transparent, on voit ce qu'on boit. C'est ça aussi, Montréal. J'ai envie de péter. On est arrivé dans l'autobus. Aujourd'hui, deux mots que tu dois savoir. Ouais. Glam et luxure. Luxure, ok, ouais. Les deux en même temps. Les deux en même temps, aujourd'hui c'est glam et luxure. Hey, tu sais, je retiens. Are you ready? I'm ready! Eh hey boy, on dirait que mes cheveux check ça. Bon café, Frédéric! Bonjour! Bonjour! Regardez ça, comme on a l'air d'une gang de tu sais, à l'école, là, quand on faisait les sorties au secondaire. C'est moi et toutes mes amies du primaire! Fait que c'est ça, fait que moi, je vais faire un petit tas dans ces toilettes-là. On garde ça pour nous, OK? On en parle. Comprenez-vous, j'essaie de faire mon besoin personnel et il y a tellement de la grosse musique qui ça m'empêche de faire mon besoin. Oh my god, je suis avec les hommes en orange. What do you think? Are you ready, guys? Yes. Oh my god! One, two, three, go! Salut Patou! What's up? Oui, je bois de la bière zéro. Ils veulent pas que je sois saoul, je pense. Fred, on avait un problème, on l'a réglé. Problème de femme. Problème de femme, si tu veux. On est où? T'as-tu compris, toi? Dis-moi donc. Ouais, je pense que j'ai compris. C'est qu'on Explique-moi est là dans la ça. Zone où est-ce qu'il y a tous les conducteurs, tous les chauffeurs qui vont faire la course. OK. Puis c'est là qu'ils font, admettons, tout. C'est là qu'ils rencontrent les médias. C'est là qu'ils prennent une bière entre amis. C'est là qu'ils se préparent. Nous, OK. Nous, on est comme dans les coulisses. Là. On est un peu chanceux. On est dans les coulisses de la F1, les amis. Alors, je vous montre ça. Regardez. Ici, on a les coquins. Ici, on a l'homme qui s'occupe des poubelles. Ici, on a Émile, photographe professionnel et maître artiste de l'amour. Oui, oui. C'est drôle parce qu'on est comme à l'endroit où est-ce qu'on pourrait voir des vedettes, tu sais, mais moi, je reconnais personne. Depuis tantôt, genre, il y a eu Ciara. Là, j'ai dit Cialis. Il y a eu Ciara. Il y a eu Cialis. Il y a eu Ciara, puis... Il y a eu Pacho.
Il y a eu Pacho, il y a eu Ciaro. Mais nous, on les a pas reconnus, là. Il y a eu Jacques Demers. Il y a eu Jacques Demers. Donc, il y a eu Jacques Demers, par exemple. On l'a vu. On l'a vu. Toi, tu l'as reconnu. Moi, je l'ai pas reconnu. Non, elle est pas reconnue. Mais c'est ça mon problème. C'est que je reconnais personne. J'ai tout quoi dindant, là. C'est pas le temps. Il est en retard, le petit Théo, là. Il est en retard de genre. T'es en retard de combien de temps? Environ 4 heures. Je me sens mal. Je suis jamais en retard en plus. Il est en retard de 4 heures, le gars. Ben oui, mais là, arrêtez de me faire. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a manqué? Il a manqué, ben man, il a manqué, premièrement, le tapis rouge, il a manqué les joueurs. T'as manqué le tapis rouge. Il a manqué la présentation devant tout. Mais le plus important, je n'ai pas manqué la course. Alors ça, c'est ça. Ouais, that's true. Et les free drinks. Mais ça, c'est quand même fou ce qu'on a vécu, parce que dans le fond, j'ai pas pu vous amener avec moi, parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir les caméras. Mais dans le fond, on était directement au tapis rouge, où est-ce que les... Sur la piste, en fait, où est-ce que les courseurs, on les appelle comme ça? Oui, on les appelle comme ça. Entre nous, on les appelle comme ça. Les courseurs, entre nous deux, sont arrivés devant nous. Mais il y en avait un pas pire cute qui ressemblait d'ailleurs à Mister V. Ouais, c'était moi. Non, c'est ça, c'était pas toi. Ah, ok. C'était pas toi. Ouais, c'est bon, je vais sortir du cadre. Ouais. Hey, on s'en vient sa piste? Non, on peut pas y aller. Pourquoi? Parce qu'on est blanche. Ah! Bye bye! Bye! I love you, man! Ça va changer! Ça va changer! Ouais, ça fait que les prochains plans sont avec mon téléphone parce que j'avais pas le droit à ma caméra! On a des responsabilités que je suis sûre de comprendre! Là, toi, tu comprends toutes tes responsabilités? Absolument pas, j'ai un drapeau puis je suis stressé. J'ai un drapeau, on est direct live sur la piste. Regardez, c'est juste là. Mettons sur 10, à quel point je comprends ma vie actuellement? 0, même moins 2, je dirais. Ça, c'est sûr que c'est le tour. Je sais pas qui va le gagner. Tout le monde est en préparation. Ça va être vraiment cool. T'étais bonne, Annie? J'ai dit. Célébration. Moi, j'étais très contente. Je vais vous avouer que c'était un moment très, très émouvant. Fred, c'est terminé. C'est terminé! Oh là là! On dit bye! C'est tellement le fun. Je pense que j'ai tellement mal aux joues parce que j'ai que souri aujourd'hui. Moi, j'ai mal aux yeux, en fait, parce que j'étais de même tout le long. Mais moi, j'ai rien vu. La course, amazing! Bye, Fred! Hey, bye! Bye! Le pays s'en va.